Non. Ok. Un petit indice. Ça a l'air d'être un homme important. Il y a une montre. Présentateur de télé sud-américain. Un américain. Je ne sais pas lequel. Non. Pas du tout. Je suis opposé, mais quand on voit la politique d'aujourd'hui, on peut se poser des questions quand même, mais qui est très mauvaise. Mais oui, je suis pas pour la royauté. Non. Non, pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt, on est tout le temps en train de critiquer nos voisins anglais au sujet de la royauté. Moi, je dirais que non, personnellement. Ça réglerait des problèmes. Ça réglerait des problèmes politiques parce que la situation est quand même pas déjà. Je n'y crois pas. Non, concrètement, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est bon. Je pense qu'elle est bien comme elle est dans le bouquin d'histoire et que c'est pas du tout comme le Royaume-Uni où ça fait partie intégrante de leur culture et tout. Et je pense qu'elle n'a pas de raison de revenir en plus. C'est-à-dire qu'on reproche à nos hommes politiques de ne plus être compétents dans ce qu'ils font. Et d'être une espèce d'élite détachée de la réalité. Et si on fout des gens qui sont de la royauté, oui, concrètement, juste parce qu'ils sont nés dans c'est une ça, famille, c'est du sang royal. Ouais, je vois pas en quoi ils seraient plus compétents. Ouais, il faudrait qu'il y ait une raison, quoi. D'accord. Il faudrait qu'on se dise, bon, par exemple, si les choses dégénèrent au niveau politique, ça n'arrive pas à s'en sortir avec l'extrême pouvoir. Dans la situation actuelle, c'est difficilement concevable. Thank you.